Bonjour et bienvenue dans cet échauffement du programme 66 vacances. C'est parti. Pieds serrés, genoux serrés, posez les mains sur les genoux. On va faire des cercles des genoux d'un côté dans un sens dans un premier temps et dans l'autre sens dans un second temps. Fléchis bien les jambes, on a les pieds, les genoux bien serrés. On change de sens. Hop. On essaie d'avoir une amplitude un petit peu plus grande. On change. Hop. Parfait, chien. On reste là, on va arrondir le dos et le creuser, sortir la poitrine. Arrondissez le dos et sortez la poitrine. On inverse, un petit dos creux, un petit dos rond. Hop, on souffle, on pousse le dos vers le haut, on sort la poitrine, on regarde vers le ciel. Dos rond, dos creux une dernière fois. On sort la poitrine et on se redresse doucement, lentement. Hop, dos rond, attrapez les hanches, écartez un petit peu plus les pieds, faites des cercles au niveau des hanches, de bons cercles, sur une bonne amplitude. On change de sens, hop, pareil, de bons cercles. Une dernière fois, parfait. Venez monter un genou vers le haut, amenez-le sur le côté, on le pose. On monte l'autre genou vers le haut, on l'amène sur le côté, on le pose. On alterne droite et gauche, hop, ouverture de hanche, on monte le genou, levez les bras. Hop, pour laisser de la place, on monte le genou et on ouvre. On ouvre bien le genou à l'extérieur pour bien échauffer les hanches. Hop, dernière fois de chaque côté, droite et gauche. Parfait. Les mains au niveau des épaules, rotation du buste à droite et à gauche. On ancre bien les pieds et les hanches. On tourne simplement la poitrine d'un côté et de l'autre. On regarde au-dessus de son épaule. On pivote. Dernière fois. Parfait. De face, cercle de bras vers l'avant. On amène les bras vers l'avant. On passe les biceps près des oreilles. On amène les bras vers l'arrière. Hop, les pieds bien ancrés au sol. On serre un peu les abdominaux pour éviter de creuser au niveau du dos. Passez bien les biceps. Ce sont ici les muscles que vous avez situés au niveau du bras près des oreilles. Hop. Une dernière fois. Parfait. On relâche. Petite marche sur place. On commence à monter un petit peu les genoux. Hop. Les bras, les poings serrés, on active un petit peu les bras, on lève les coudes, on lève les genoux un tout petit peu plus haut, on fait monter un tout petit peu légèrement la fréquence cardiaque. Encore. Un tout petit peu plus haut encore. Parfait. On reprend, serrer les pieds, les genoux, les mains sur les genoux, petit cercle dans un sens. Donc on descend un peu plus bas et on essaye de faire des cercles un petit peu plus grands. Dans l'autre sens. Hop. On ancre bien les pieds au sol. Dernière fois. Parfait. Dos rond, dos creux. On arrondit le dos et on le creuse. On arrondit et on le creuse. On sort la poitrine. Expire et inspire. Regardez vers le ciel. Rentrez le menton sur la poitrine et regardez vers le ciel. Une dernière fois. Parfait. On se redresse doucement. Ouverture de hanche. Hop. Donc vers l'avant et sur le côté. Levez les bras, hop, on ouvre bien le genou à l'extérieur. On fait la même chose dans l'autre sens. On amène le genou sur le côté et on le ramène vers l'avant. Hop, sur le côté et on le ramène vers l'avant. Hop, hop, dernière fois, droite et gauche. Parfait, les mains au niveau des hanches, rotation des hanches dans un sens. Pareil, vraiment de grande amplitude. Ne creusez pas au niveau du dos, gardez toujours la taille serrée. Dernière fois. Et on change de sens. Encore une fois. Parfait, les mains au niveau des épaules. Hop, on va twister. Cette fois-ci, on va décoller les talons pour accentuer la rotation au niveau du buste. Décoller les talons. On pivote. Bien la poitrine à droite ou à gauche. On regarde au-dessus de son épaule. On vient regarder loin derrière. Dernière fois. Parfait, petite course sur place, hop, on monte les genoux, on commence à les monter un tout petit peu plus haut, parfait, poitrine fière, activez les bras, on respire bien, on les lève encore un tout petit peu plus haut, allez, encore quelques petites secondes, parfait, on termine un dernier exercice pour terminer cet échauffement. Les pieds écartés un tout petit peu plus que les hanches, donc un peu plus large que les hanches. On fléchit les jambes, on vient poser les mains au sol, on allonge les jambes, on vient replacer les pieds près des mains, bien les pieds à plat, on soulève la poitrine et on se redresse. Encore deux fois, on pose, on allonge les jambes, on ramène les pieds
et on se redresse. On le refait une dernière fois. On pose les mains, on fléchit bien les jambes, on les allonge, on ramène les pieds près des mains et on se redresse. Parfait. Échauffement terminé. Choisissez maintenant eh bien, votre exercice. Donc au choix, soit un exercice cardio, soit un exercice de renforcement musculaire ou un exercice pour le centre du corps. Donnez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet échauffement et je vous dis à tout de suite dans le prochain exercice.